photo, Élodie Gossuin surnommée Miss Crotte, donnée en direct. Cette vidéo atroce qu'elle n'a pas digérée invitée sur le plateau des enfants de la télé ce dimanche 24 janvier. Élodie Gossuin n'a pas eu de que bonne surprise. Aujourd'hui animatrice radio et surtout maman, comblée de deux paires de jumeaux Jules et Rose puis Léonard et Joséphine, Élodie Gossuin a, dans le passé, eu des expériences non des plus flatteuses. Élu Miss France 2001, Élodie Gossuin est très vite devenue une icône de beauté et une véritable star française. Tellement connue que TF1 et la production de la ferme célébrité ont immédiatement pensé à elle pour participer à l'émission en 2004. Souvenez-vous, cette télé-réalité ancienne génération réunissait plusieurs célébrités dans une ferme du sud de la France. Au cours des semaines de tournage, les stars devaient ainsi s'occuper des animaux, nettoyer la ferme, dormir dans la grange, ou encore se laver dans des conditions très particulières. L'année de sa participation, Élodie Gossuin était entourée de Vincent McDoom, Evan Jelly, Daniel Gilbert ou encore Pascal Olmeta. Une participation que l'ancienne Miss Picardie avait oubliée, avant que Laure Ruquier décide de lui remémorer un passage non des plus glorieux. Lorsque les stars sont invitées sur le plateau des enfants de la télé, elles doivent s'attendre à retrouver quelques souvenirs, parfois complètement inattendus. Alors, après un mauvais souvenir dans Stars à domicile pour Pascal Obispo, lui aussi invité sur le plateau ce 24 janvier, la protégée de Geneviève de Fontenay a elle aussi eu droit à son moment. Sur les images diffusées, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir la jolie blonde les cheveux en pagaille au réveil, se décrottant le nez. Et pas vraiment délicatement, celle que Laure Ruquier surnomme donc désormais ne s'attendait vraiment pas à voir ces images. Vous pouvez pas mettre ça, c'est atroce. Je ne savais même pas que ça avait été vu par des gens, ces images. Une séquence qui a bien fait rire le plateau. Très fier de cette trouvaille, l'animateur n'a pas hésité à passer et repasser la séquence tout au long de l'émission, avant de dévoiler une anecdote beaucoup moins drôle de la jeune maman, son accident de moto. À voir aussi, Élodie Gossuin, la famille s'agrandit avec l'arrivée d'un nouveau bébé au...